aussi s'avancer sous la falaise. On a utilisé pour ça la tunnel artificielle. Maintenant, nous avons à peu près 300 mètres d'épaisseur de calcaire en ce moment. La roche calcaire est roche fissurée. C'est cette fissuration qui explique la présence d'eau dans la barrage. Faites ensemble à la marche humaine. Mais en règle générale, l'eau arrive dans les creux et l'eau est à
l'intérieur. Prenez le temps de voir les gouttes d'eau qui suspendent et là vous comprendrez le système. Les fistulas sont des tubes de cristal ne pouvant que s'allonger. Thank you.
Moi je l'ai en... Ah ouais. C'est ton flash. Thank you.
Pas plus belles, elles sont plus claires. Ah, ouais. C'est mieux, hein. Elles sont plus claires. Ouais. Ah, c'est bête. Ça s'appelle le saut de la truite. Voilà. Alors là, je vous traduis ce que les gens dans les voitures sont en train de dire. Ils sont en train de dire, mais ils sont fous. Comment ça se fait qu'un car passe par ici? Mais ça devrait être interdit aux cars, etc., etc. C'est vrai que c'est interdit aux cars, mais c'est interdit aux Belges et aux Hollandais, mais pas aux gens. Il faut être bon chauffeur, hein. Oui. Voilà l'endroit où le bloc de roche se sent effondré et a emporté la route. Vous voyez, toute cette partie-là qui est jaune, bien colorée, là, ça correspond à une masse rocheuse qui s'est détachée et qui a emporté la route. Voilà. Donc regardez bien, là, regardez un peu comment la route est taillée dans la roche. Juste le passage de la route, taillé au minimum. Et encore, elle a été élargie il y a quelques années, parce qu'elle était encore plus étroite que ça. Et regardez la garnison qui descend en cascade à droite. Pour ceux qui sont à droite, là, vous avez une vue imprenable sur le fond du lit de la garnison. Voilà. Vous voyez que le car finalement se faufile n'importe où. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Alors à partir de maintenant, on rentre dans la partie étroite. Je vous assure que c'est vrai. Vous allez voir. Regardez à droite du car à la cascade de la garnison. D'ici, elle est très belle. Et du car, on voit bien puisqu'on est un peu en hauteur, donc c'est parfait. C'est beau là, c'est grandiose. Pour nous, c'est parfait. Regardez aussi les strates de calcaire là. Regardez comme elles sont magnifiques. Très homogènes. Très très homogènes.
À 400 tours. On a le temps, on est à 1h40. Hein? Qui ont été travaillés par la poussée alpine. Voilà, et on voit bien la cascade là à droite. Vous voyez les regards des gens, assez effrayés. Ton regard est éloquent, tout à fait. Il parle. Voilà. Hein? Il passe pas. Monsieur, la bière là. C'est ce que l'on appelle les grands goulets. Donc là, tout à l'heure, nous étions dans les petits goulets. Maintenant, nous sommes dans les grands goulets. Alors, regardez parce que ça va se rétrécir encore. Oh, voilà. Cette fois-ci, c'est la partie la plus étroite, mais qui va pas être bien longue. On va quand même s'arrêter au. Un petit peu. Oui, on a le temps. Voilà, ben, je crois qu'on peut faire un grand bravo à notre père. Il a monté ça avec beaucoup de dextérité, les doigts dans le nez. Ouais, voilà, ça très bien. C'est bien, il n'y a pas des bourguignons parmi vous, non? Parce qu'on aurait pu lui faire un bain bourguignon pendant qu'on y était aussi. Donc on va. Mais ta mère, elle n'en faut pas. Ah bah non. Donc.